Bon, je lance. Et salut à tous! On se retrouve pour un nouvel épisode de No Man's Skies! Toujours avec Python. Bon, on a eu un petit problème quand j'ai activé. Comment ça s'appelle? Lolo quoi? Lolo Terminus. Le record a crashé. Donc en fait, ce qu'on a fait depuis la dernière fois, j'ai quitté le hub, j'ai fait 2-3 quêtes en attendant Python. J'ai eu une communication dans mon par Skype là, par le vaisseau, qui m'a donné cette pause. Et du coup, bah, on va voir un peu ce qui se passe, quoi, tout simplement. Donc, on rejoint Python. Python qui, vous allez le voir, c'est très bien garé. Toujours parfaitement garé. Hop, voilà. Hein. Par contre, ton vaisseau, il est blanc et bleu pour moi. Je sais pas si c'est normal. Ah, mais j'ai un bug Toi, t'as texture. des problèmes de couleur. Ouais, t'es tout blanc, t'es tout blanc. Oh, fuck. Bon, j'espère que ce sera pas trop dérangeant. Donc, on remet ça. Et est-ce que je crash quand ça active? Artemis. Ça n'a pas l'air de bugger. Je dois quoi? Parler à Artemis. Ah, ok. What? Ah, ok. Yo! Bon, du coup, ce n'est pas la réelle couleur d'Artemis, hein. Il est pas tout blanc, Artemis. Il est de quelle couleur? C'est blanc, J'ai mais un il y a peu des de blanc et de nuances. vert. Tu es vraiment réel? Oui, je suis réel. Bon, vas-y, j'aime pas les délires de rêve et tout là. Bon, allez, qui tu es? Jeune lézard. Je suis un voyageur des mondes. Comment tu sais? Il ne me répond pas par la parole. Une étoile rouge et un monde fragile. Les étoiles rouges, il y a un truc à looter, il y a une ressource à looter dessus, j'en ai un peu dans mon vaisseau. Je sais pas si ça a un rapport, mais. S'éveiller. Vas-y, je m'éveille. Ah d'accord. Il est sympa lui. Ce que je viens de te montrer, ça me hante depuis que je suis éveillé. Bah merci. Merci pour la hantise. Mentionner Nada, vas-y, je le mentionne. Je le cite. Ne joue pas avec moi, je n'ai pas le temps. Wesh. Donc il me donne les archives, très bien, parfait. Prisonnier d'un monde sans soleil. Ah, c'est relou ta vie à toi. Si tu construis des scanners de signaux à travers ce système, nous devrions pouvoir trianguler ta position. Si tu veux. De toute façon, si je dis non, fin de la quête principale, on rentre à la maison, tu vois. T'as pas le choix. Ouais. Nouvel élément de construction appris! Scanner de signaux! Bah, il me manque juste nanotubes de carbone. Je crois que c'est les nanotubes normaux, ça, non? Et plaquage métallique. Donc, on va faire ça en vitesse. Donc, hop, hop. Et où est-ce que ça se craft ce truc? J'imagine qu'on doit le. Ouais, c'est avec W. Attends, je vais monter dans mon vaisseau vite fait parce que mes modules de survie ils sont en PLS. Tu viens à quelle heure? Je sais pas, je viens à quelle heure d'habitude? C'est bizarre. Juste un petit peu de réflexion, les enfants, ça va bien se passer. Alors, boum. Scanner, bah voilà, parfait. Alors, placer. Non, ok, d'accord. Ok. E.
Pip. Putain, mon scanner, il s'appelle Pip. Détection de signal d'avant-poste en ligne sous programme de navigation. Nanana, ok. Détection d'unité d'amélioration de l'exocombinaison en ligne. Ça, c'est très intéressant. Oh putain, mais c'est la vie, ce truc. T'en poses un, ça coûte rien vraiment à craft et ça te localise les structures proches et tout. Mais c'est le feu. Moi, je mets trianguler la position. Je peux lui demander aussi les structures à proximité, même si bon, j'aime pas trop rester sur les planètes bizarres. Mais est-ce qu'on peut lui demander... Ouais, on peut... Ok, on peut lui demander... Sans que ça le casse, tu vois. Ouais. Mais faut que t'en craftes un, toi aussi, je pense, par contre. Sans au lieu de te toucher, déjà, c'est posé. Ok, ok. J'aime quand tu communiques avec moi et que tu me dis où tu en es. Bah, je fais pareil, quoi, c'est logique. Sinon, j'avance pas. Oui. Bon bah go dans trois autres planètes j'imagine et puis... Faut le laisser ce truc j'imagine. Sauvegarder votre... Quoi? Ouais faut le laisser ouais. Attends je vais juste activer la bonne quête. Je crois que ça va me faire foncer. Trianguler, placer à deux. Ouais ça, voilà, ça me fait foncer dans les... Hop. Signal localisé hors de... Pulseur réacteur... Indisponible. Ah oui, c'est vrai. Je me suis trompé de boost. Petit freeze. Petit freeze. C'est joli ici. Mais t'es où là? Qu'est-ce que tu me chantes? Je suis dans l'espace. Bon, c'est où la suite? Attends, c'est mais là. Faut... Attends, je vois pas où c'est. Je vois pas où c'est. Ah putain, mais moi j'ai plein de logos derrière, ok. Site adapté, localisé, très bien. J'imagine que c'est ça. Oui, ça doit être le site adapté à poser une balise, nanana. On peut aller dans son... Ouais, parfait, dans son inventaire. Bon, bah, je vais craft ce qu'il nous faut. Donc, plaque de métal, j'en fais... Oups, je vais en faire deux. Nanotube, j'en fais deux. Voilà, et comme ça, on est bien. Toi aussi, ça t'a arrêté... Ouais, à la station. Allez, active le bail. Voilà. Ah mais c'est cette petite planète là, on la connaît. Oui, bah là, tout ce système, normalement, on le connaît. Planète non répertoriée, mais toi c'est bugué. Chaque fois ça me dit que c'est une planète non répertoriée, ouais, même si on la connaît. Bah je viens de voir que ça me fait pareil pour toi. Ok, ok. Du coup, je vais lancer un petit scan, tu sais, au cas où, mais bon. Scanner. Putain, j'avais oublié. Non, attends, mais c'est rose de ouf là. Ah, mais c'est vrai que j'ai des bugs de texture. Peut-être que. Pour moi, c'est ultra rose, tu vois, genre pétant de ouf. Ah, mais toi, t'as des problèmes. Tu vois le stabilo rose? C'est encore plus pétant. Après, c'est pétant quand même, hein, mais bon. Ouais, mais je pense pas que ce soit à ce point là, normalement. Localise les structures et tout là, fais tout comme ça au moins. Si on retourne sur la planète. Mais ça, on peut le récup? À tout hasard? Ou alors il faut le laisser sur place? Je sais pas. Bah, est-ce que t'as l'option? Enfin, quand tu pourras y accéder. Ah, je veux pas. Il veut pas que. Ah. Il veut pas localiser les structures. Ah ouais? Ah, on peut le récup, on peut le récup. Bah oui. Ok, ok, mais est-ce récup pas, hein, sinon. Fait. Bah, si. Trianguler. Bon, il veut pas, tant pis. On s'en fout. Rien n'a été trouvé, d'accord. Température externe. 24 degrés. Ah, moi j'avais 19, très bien. Oula, mais moi c'est toujours là, moi. Alors, la suite... Moi j'ai pas la suite, il faut que je continue ici, je sais pas ce qui se passe. J'avoue que... Non, moi je dois pas... Attends, c'est là. Ouais, j'avoue, moi aussi. What? Bizarre ça. C'est chelou ça. Atteignez le... Mais pourtant... On doit en poser deux ici, c'est bugué?
Je sais pas, mais là c'est ça triangule. Progression de la triangularisation 100%. Bah ouais, bah c'est bon, vas-y. Ah, donc t'en as posé de deux ici? Non, j'ai utilisé le tien. What the fuck? Comment ça, tu utilises le mien, toi? Il est où le tien? C'est lui? Ouais. Ah bah oui, j'avoue, ouais. Bah oui, non, en vrai, c'est logique. Enfin bon. Ouais, 100%. Récupérer le scanner. Je peux récupérer le tien. T'as vu, le mien, il s'appelle Pip. Quoique, lui peut-être pas. Non, lui, c'est Gaba. Vas-y, bah récup le mien. Non amovible, ok, bon, bah, je récup le mien. Bon, bah, j'en ai deux en stock, je crois. Non, j'ai du stuff en stock, là, ça me fait chier. On va détruire, de toute façon, ça coûte rien. Ça fait quelque chose ou quoi? Parce que là, moi. Mais tu. Retourner dans l'espace pour contacter Artemis. Ah oui, j'ai pas vu. Bah oui, en plus, t'as la progression à 100%, donc forcément, tu dois aller voir Artemis, toi aussi. Le jeune lézard. Enfin, je pense qu'il va nous appeler à la radio, là. Ouais, c'est ça. Hop. Yo, Artemis. La beauté, le mystère, l'aventure, le danger. Nous y voilà. Rends-toi à un holotaminus et transfère tes données. Retrouvons-nous. Bon. Localiser l'holotaminus. On scanne, même si, bah, du coup, en fait, on peut... Alors, c'est où? C'est où? C'est où? L'emblème de quête, c'est là-bas. I. C'est dans 6 heures. Marqué. Ah, il faut maintenir, voilà. Hop là. Ah, je crois que ça m'a marqué le complexe, moi, fiché. Ah, j'ai pas de complexe proche de Lolo. Par contre, comment c'est la ville, le truc qui se régène tout seul là, le truc de décollage. Ouais, on a plus besoin de s'occuper de recharger. Ouais, c'est grave bien. Non. Vas-y, passe devant. Bah, je suis loin là. Mais tu tirais sur moi, on est d'accord. Non, je tirais en dessous. Je voulais tirer sur toi, j'aurais fait comme ça. Et j'aurais tiré là. Mais toi, t'es un bâtard, tu t'es posé sur le truc, quoi. Bah ouais. Moi, je suis sûr que ça va pas vouloir. Non, tu vois, moi, ça veut pas. Mais. Ah oui, quand même, atterri. Voilà. Plante non identifiée, où ça? Là. Oh putain, ça m'a fait traverser les structures. Hop là, 48 000. Par contre, le système d'échelle, j'ai l'impression que je suis dans un jeu de 2007. Hein. Ça va, t'as joué à Seven Days qui te faisait penser à un jeu de 2002, donc à partir de là. Et ta test Cyberpunk sans RTX? GTS, mais j'étais pas dans un endroit propice. Il y avait juste pas les réflexions, en fait. Non, mais pour les perfs, m'en fous des réflexions. Ah ouais, j'ai qu'à 90. En full ultra, optimisé ou pas? Non. Genre t'as tout mis ultra. J'ai juste mis les ombres en élevé parce que... Ok, bon, ça va, ça me rassure. Le RTX, je pense pas que je l'utiliserai. En tout cas pas au début, tu vois. Et toi t'as remis 80, c'est la question, elle se pose même pas.
Ouais, c'est vrai. Il y a un monde, hein, au niveau des Après, toi, t'as performances. une 3080, moi j'ai une 2080, mais toi, t'as un plus petit processeur, moi j'en ai un plus gros pour le moment. Ouais, mais le ray tracing, ça joue sur la carte, pas sur le proc. Ouais, c'est pour ça que moi, ça va être peut-être un peu plus chaud. Non. Toi, t'as une carte graphique qui est faite pour la 2K, ou tu fais du 1080, moi j'ai une carte graphique qui est faite pour la 4K et je fais du 2K. Nouvelle technologie découverte. Traducteur d'Artemis. Il me faut du cuivre. Fuck! J'en ai pas. Et on le met où ce jeune détecteur? Emplacement technologique spéciaux. Ouais, mais dans quoi, frérot? Nouvelle Multi-outil? technologie, traducteur d'Artemis. Exo? Ah oui, c'est Exo, c'est dans l'Exo. Alors, microprocesseur, j'avais. Cuivre, j'ai pas. T'en as du cuivre? Ah, faut que j'installe une. Merde. Pourquoi ça me... Ah. Recycleur d'oxygène. Quoi? J'ai ça, moi? Hop, et hop, c'est bon, moi j'avais tout ce qu'il fallait. J'ai un recycleur d'oxygène? Attends, mais ça me... Quoi? Je savais même pas que j'avais ça, moi. Hop. Et du coup, ça fait quoi le recycleur? Réservoir du système de survie plus 10%. Ah oui, le mode de scanner suspect, là, faut que j'utilise, moi. J'ai des améliorations, je sais pas d'où elles sortent. Bon, il me faut du cuivre. Il y a du cuivre sur cette putain de planète? Na, Na, H, Na, Na, H. Attends, j'en ai. Attends, j'en ai encore, plutôt. J'en ai pas dans le vaisseau du cuivre. Non. Comment on fait pour te donner la moitié, là? Ah d'ailleurs, il m'en faudrait 300 parce Ah, que j'ai mes bah. roquettes aussi. Non mais il m'en faut 100, tu vois, pour la quête, mais si t'en as 300 à me filer, c'est incroyable. Comment je fais pour qu'on donne pas de plus? J'en ai besoin aussi. Au pire, j'en utilise 100. Bah au pire, utilise là, prends les 100 qu'il te faut et... Tu me donnes le reste et après je te Ah, mais refilerai j'ai. le J'en reste, ai tu vois. besoin, mais voilà. Utilise et. Alors. Cuivre. Hop. Bon, alors, oui, les textures elles sont buggées, mais bon. Hein. Mais Alors. Ouais, mais j'ai j'ai la flemme acheté de ton jeu. redémarrer mon game. J'ai jamais eu de bug de texture. Ouais, bah écoute. Hein. Je le vis bien, c'est pas très grave. T'as reçu, c'est bon? Ouais. Apprendre des mots. Non mais ça je sais faire, t'inquiète, hein. Installer un auto-traducteur dans l'exo-combinaison pour traduire vos conversations. Ah bon? On peut faire ça? Mais c'est la quête, ça? Calibrer le traducteur. Vous pouvez apprendre des mots en parlant aux formes de vie extraterrestres ou en explorant les ruines. C'est incroyable. Donner des nouvelles d'Artemis à Nada. Ah, il faudrait qu'on aille voir Nada dans l'anomalie. On a une petite Ah quête. bah vas-y, il va nous donner encore des nanites. Après, on a. Attends, mais je sais pas ce qu'il veut. Genre, on doit juste parler à des extraterrestres là? Dans la quête? C'est bizarre. Seul parmi les étoiles, calibrer le traducteur. Vous pouvez apprendre des mots, nanana. Explorer pour localiser des ruines ou des monuments. Ouais, je crois qu'il faut parler juste à des extraterrestres. Mot traduit 1. Attends, mais ça fait quoi ça? Je comprends pas tout. Bon, c'est pas grave, go parler. Attends, j'active la quête là. C'est la troisième quête principale du coup là. Anomalie spatiale. Donc faut qu'on aille parler à Nada. Ah ouais, toi t'es déjà parti. Il est où mon putain de vaisseau? Il est là, je crois. Ouais, il est là. Hop. Alors, je fais spawn l'anomalie. Ah oui, c'est vrai qu'il faut. Dans l'espace, appeler l'anomalie.
Mais je crois que moi elle était déjà pop dans ce ouais, système. Mais c'est normal. Bah du coup il y a juste à y aller. Ouais mais tu l'as fait pop devant toi et c'est bon, c'est correct. Ok. Appeler l'anomalie. Je peux pas. Je peux pas moi. Hein. Je pense qu'elle est déjà dans le système, tu peux pas, hein, parce que juste c'est tout que rouge. Tu bouges. Ouais mais moi si je trouvais un angle, mais c'était déjà dans le système. Interférence planétaire. Je suis peut-être trop près. Ah putain, ils sont sortis. What this shit? C'est toi qui est revenu là? Non, je ouais. me fais. Attends quoi? Vas-y, hé, je vais à l'anomalie. Je me. Attends, elle est pas loin là. C'est bon. Pas me soulever longtemps. Non, anomalie. Maintenir pour marquer. Hop, allez. 25 secondes. C'est plus rapide que de trouver un emplacement. Alors, que me dit-elle? Carburant restant 15%. Il faut quoi dans les pulsos réacteurs là? Parce que. Je vais terminer à 10%. Ouais, l'anomalie elle est full buggée. Il y avait des astéroïdes dans l'anomalie. J'arrive. Hop là. Toujours la même place. À peu près, il me semble. Ouais, là c'est tout lisse. On dirait que je suis passé en loup. Il est où Nada? Il est là. Tu fais quoi? Ah mais non mais t'es AFK, je pensais que tu faisais un truc spécifique. Il prend une photo ce fou là? Ah non il est à la manette. Nada a vu un signe. M'a donné 80 nanites, hein. C'est loin des 1000 que t'as eu. C'est extrêmement loin. Vif argent crédité. Tiens. Il m'a donné mes premiers vif argent là. Tu vois, c'était des trucs normaux. Enfin, pas de. Avec du vrai argent. C'est pas parce qu'on t'en donne un peu que c'est pas des trucs de vrai argent. Justement, ouais, c'est pour te donner goût. Y'a pas de goût. Y'a pas d'achat. Ouais, attends, alors du coup on doit faire quoi? Donner des nouvelles d'Artemis à Nada. Parler à Nada et Polo. Ah, faut qu'on parle à Polo aussi. Okay. Apollo! Apollo! Viens. Parlons ensemble. Attends, quoi? Pourquoi ça me dit d'aller là? Hein? Il est où Polo? Tu te souviens d'où est-ce qu'il est? Il est dans la pièce avec Nada, non? Il y a Apollo le spécialiste. Putain, j'ai pas le. Moi non plus, j'avais pas, mais bon, c'est pas grave. Demande-lui les coordonnées des trucs aussi. C'est déjà fait. Bon, là, je vais lui parler d'Artemis. Continuer d'aider Artemis. Et là, on doit faire quoi là? Acheter des plans de technologie ou de nouveaux éléments de base à bord de l'anomalie. Mais putain! On l'a fait avant! Avant qu'il nous demande! Partez en mission avec d'autres voyageurs depuis le Nexus ou échanger vos découvertes et articles rares contre des nanites. On peut? Comment on fait pour échanger des trucs contre des nanites? Moi, ça m'intéresse grave. Je sais pas. Attends, bah déjà, je vais voir le truc des vifs argent, je sais pas quoi là. Tu vas voir quoi, à quoi ça sert?
Non, ce qu'on peut avoir avec. Alors. Bon, moi je peux apprendre. L'atmosphère doit être toxique, l'atmosphère doit être Rien gelée, de un peu radioactif, nul. aride, luxuriant, très chaud. Je vais apprendre les une plante de luxuriant, je pense. Parce qu'on s'installera peut-être là-bas. Si on retourne pas à la maison, tu vois. Et du coup, j'en ai encore 3, je peux apprendre d'autres plantes. Ah mais ça se plante à l'extérieur. Ah non, intérieur, ok. Je vois pas le... Cet orbe cristallin de Timeway. Des perles. Ah ouais, ça c'est pas mal. Si on a notre propre production de perles. Tu sais, c'est celle que je récupérais dans les cavernes. Je les ai apprises. Yep. Zadaba. Bon bah voilà, moi j'ai plus de trucs, je peux plus apprendre. Donc Nick, j'ai plus de sous. De toute façon, je crois que c'est fait. Bah il faut. T'es où là? Je suis perdu. Ah, t'es là. Mais tu fais quoi? Je sais pas, je vais te sauvegarder. Ouais. C'est l'heure. Ouais. Mais Ah, mais je après, comprends pas trop la suite de la quête par contre. je sais pas, bah, il faut calibrer le traducteur et on ira dans le trou noir. Ça va la faire avancer sûrement. Et Bah là en éliminer un fait on doit vaisseau. juste jouer normal je crois. Hein. Je pense, hein. Et aller dans le trou noir. Rechercher des interfaces sur la carte galactique. Ouais bon on verra ça dans la prochaine session. Sais que t'as pas besoin de te barrer pour que ça sauvegarde. Ah oui, c'est vrai. Tu montes et tu descends, c'est tout. Le pire, c'est qu'il faut que je descende pour que ça save. Chier. Il est vraiment bête. Hop Oh, là. mais là, Du que je coup, regarde mes trucs en même temps. merci d'avoir regardé cet épisode de No Man's Sky. On se retrouve dans quelques jours pour la suite. Salut.